Bienvenue par ici, je vous propose un petit let's play sur Surviving the Aftermath, un super jeu de survie qui va nous emmener je ne sais pas où, on va bien voir. Allez, c'est parti. Avec du didacticiel, un niveau de difficulté, 45-75, waouh. Allez, 45. On monte, dangereux, 60%, 55%, soyons... Oh punaise. Et 110% de difficulté. Non, on va éviter. Quelques survivants. Waouh. Allez. Bon, là, par contre, ça change rien. Alors, on part sur quel type? Survie, efficacité, production à grande échelle, santé, sécurité. Bah, tout ça, ça peut sous-entendre des façons de se comporter qui sont différentes. Survie, efficacité. Ouais. Production à grande échelle. Alors ça, par contre, non, c'est pas du tout ma philosophie. Prendre soin et protéger les gens. Allez, on part là-dessus. Donc, on va prendre soin et on va prendre des spécialistes combattants. Scientifique, recycleuse, éclaireur, scientifique, recycleur, combattant, éclaireur, scientifique, recycleur. On tourne en rond là. Oh, j'aime bien lui, mais non. Violent. Ok, non. Éclaireur. Boone. Boone. Combattante. 100 PV. D'accord, elle fait 20 dégâts, quoi. Elle recherche bien celle-là. Mais elle guérit moins vite que lui. Ok. Par contre, ouais, je cherche un recycleur, ça va être intéressant. Ah, un scientifique qui a du recyclage. Que dalle en recyclage. Non, mais j'ai pas dit que je prenais ces gens-là. Ils sont quoi, ça? J'en ai le droit à combien? 2. Non, elle a que 100 au recyclage. Je veux vraiment quelqu'un qui a du recyclage. Toi, t'as que 50 en recyclage. On t'oublie. Elle me plaît bien. Allez, ça sera la première. Il me faut une combattante. Elle a que 20 en dégâts. Enfin, que 20. Lui aussi. Mais lui, il a l'air complètement barge. Ah ouais, non, mais c'est chiant, là. J'ai le droit qu'à 2. Une fille, un garçon. Ben non, ça sera 2 filles. Bon, c'est exactement les mêmes. Sauf que lui, il a l'air un peu barge. Allez, non. C'est parti. Non, on a dit quoi? Espoir, amour... C'est dégueulasse. Non, ça fait un peu laitue. Non, là, ça fait violent. Allez, on y croit. On se met comme ça. Non, j'ai pas de... Vlantol. Egopolis. Aïe, 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 aïe. Vlantol. Bon, bah, vas-y, Vlantol, hein.
Un refuge pour tous. Ouais, mais non, ça, ça pue parce que on s'est adapté pour triompher. Non, l'unité, la force. Non. Ouais, pour. Franchement, pas simple. Allez, le refuge pour tous. Waouh! C'est parti. Vous pouvez utiliser de l'argent, ouais, ok. Et ben quand tu veux. Le temps de chargement est un peu long. Non, ça va. C'est parti. C'est là qu'on se pose. The world is in ruins. Things once considered mundane are hard. Un campement. Ok. On n'a pas trop le choix. Bon. Quoi? Ah, c'est le bruit du canard. Ça fait bizarre. Le campement. Bon, alors ça, ça semble être. C'est pas non exploré, ça ressemble plutôt à quelque chose de bien pourri. Oui, oui, on va faire, mais c'est bon. Ah, putain, mais faut que je me mette en pause, quoi, c'est ça. Ok, j'ai le droit de choisir un petit peu quand même. J'ai une capacité de 300 en flotte à cet endroit-là. En fait, j'ai pas envie d'utiliser une zone où il y a potentiellement des ressources. Donc, je pense que ça va être par là. Et puis, c'est pas mal comme ça. Parce que là, j'ai des ressources à les récupérer. Et du bois par la suite, je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la route de terre. Ouais, d'accord. Ça, pour l'instant, j'ai pas. Allez, c'est parti. On fait ça. Oui, oui, ok, ok, ok. Ah oui, je croyais que c'était... Eh ben, enlève-toi, c'est bon, je suis en train de construire, là. C'est lent. Allez, on va faire un peu plus rapide. Oups, c'est déjà rapide. Alors, ça y est, c'est parti. Et envoyez le signal. C'est lourdingue, ce bruit. Hein. Non. Bon, on le garde pour l'instant. C'est les alertes. Préparer la colonie. Ok. Je peux construire des bâtiments gratuitement. Eh ben, c'est cool ça. Non, c'est pas du tout gratuit. Il faut. Waouh. Non, ça c'est pas gratuit. Ok. Détente. Ça par contre, j'ai le droit à en mettre deux gratuits. Ok. Du stock et un garde-manger, c'est gratuit aussi. Et un récupérateur d'eau. Il doit être installé sur une berge. Il doit être chauffé pendant les tempêtes hivernales. Oh putain, d'accord. Par contre, il produit bien, bien, bien. Ok. Bon, bah, je pense que les abris, ça va être la première chose. Et puis les stocks ensuite, ou les stocks d'abord. L'idée du garde-manger et du stock. Bon, on va faire le stock. Ah oui, d'accord, ça récupère dans la zone. Ok. Pas mal du tout, ça. Oh putain, ici, c'est excellent. Là, il y a l'air d'avoir de quoi récupérer. Pas mal du tout, ça. Et après, je crois qu'on peut agrandir ou déplacer. Donc, excellent. C'est pas trop loin et c'est bien foutu. Et un garde-manger. Alors là, par contre, il faut que je trouve de quoi se nourrir, c'est ça? Ah oui, ok. Et oh, pas grand-chose. Plutôt par là. Ouais, là, il y a à bouffer, quoi. Ok, donc tu mets le garde-manger par ici. Et c'est plutôt bien. Et donc on a dit après, les tentes. Ouais, ok. Et ben les tentes, ça va être juste à côté. Ah d'accord, ça détruit le truc. Ok. Là je peux pas, pourquoi? Ok, bon, on va mettre comme ça. Ah, c'est pas mal, ça fait le nettoyage automatique, en fait, là.
C'est déjà tout fait. Excellent. Bon, bah ok. Du calme. Mais c'est un peu de la folie, quoi. Les constructions sont terminées. Donc là, j'ai plus de construction gratuite. Si, juste l'eau. Alors, bah, on va attendre. On va aller voir où est-ce qu'il y a de l'eau. Ça, ça ressemble pas à de l'eau. D'accord, ça c'est de la pollution, juste à côté du plastique, super. Ça c'est du plastique aussi, mais il y a de la pollution. Plastique, pollution, pollution, plastique, pollution, pollution, plastique. Ouais, le monde est merveilleux. Et surtout, bah, j'ai pas de flotte, j'en vois pas. Ah ouh, d'accord. Ah oui, donc j'ai dézoomé suffisamment pour faire apparaître la carte. Et je retourne comment ? Voilà, je retourne comme ça, et voilà, ok, bah d'accord. Faut que j'arrête, parce que ça va devenir chiant. C'est bien ça. Bon, et ben, pour la flotte, ça va être lourdingue. Il n'y a pas de flotte, donc ça sera des puits. Allez. Ouais, mais non, mais faut envoyer le signal, c'est clair. On envoie le signal, parce que sinon, on va travailler tout seul, quoi. On a du bois, du plastique, et puis des outils, des fringues pour 10 personnes, du bois, que dalle. Ah, c'est du feu de bois. Et voilà. Allez, il est temps de reconstruire. Stop. Stop, stop, stop. On a combien de places? 3 places, 3 places. Et... on a donc des colons qui n'ont pas de maison. Donc, première chose à faire. C'est quoi ça? Alors, pour mettre 6 d'un coup. Pénalité mineure de... ouais, pas de taux de naissance et doit être chauffé. Bah bien sûr, de toute façon, tout doit être chauffé, c'est bien ça. Oui, en fait, ça empêche juste de faire des gamins. Bah donc on va partir plutôt sur des tentes, hein, parce que j'aimerais bien que ma colonie... Il y a peut-être moyen de faire un petit coup de CTRL et puis d'en faire plusieurs à la suite. Oui, c'est bien ça. Donc on a dit qu'il y en avait 5. Donc 3 plus 3, 6, c'est bon. Et donc vous pouvez... Ok, comment tu peux m'aider? Bah écoute, tu peux m'aider en... ouais, voilà, en récupérant du bois. Et toi, t'es une recycleuse. Donc toi, ça tu sais faire, c'est ton métier, quoi. Donc pareil, tu vas t'occuper du bois pour l'instant. Et puis on verra la suite ou pas. Plastique 120, mais si je veux faire des puits, je crois que c'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Pour l'eau... ouais, il faut du bois et du plastique de toute façon. Donc du bois, j'en ai 90. Ok. Non. Chut. Voilà, toi t'es là. Et donc yes, bonjour mademoiselle. Pourquoi plastique, tu peux pas? Ah, fais chier. Tu peux pas aller chercher du... ah bah ça me gonfle. Alright. Cling, ça veut dire quoi, cling? Bon bah allez-y, on va voir ce que ça vous fait. Toi, tu fais quoi? What's that? Non, c'est pas ça. Ouais, si, tu peux quand même faire des trucs. Et là, il faut mettre des travailleurs. Non. Pourquoi il y a ça, là, le bleu? Comprends pas. Donc là par contre les travailleurs, on peut pas les travailler, enfin leur dire de quoi faire, quoi. C'est démerdez-vous et démerdez-vous. Non mais on doit pouvoir leur dire de quoi faire, non? Ouais non, enfin je sais pas. Thank you.
choisissez un colon. Bah oui, mais j'aimerais bien, mais... Your command? Non, mais oui, mais elle, c'est pas un colon, elle. Elle, c'est une super... Ah si, c'est eux qui considèrent comme colon. Et les autres, c'est quoi, là? Hein? Ils sont quoi, les autres? Alors, on a terminé une tente. Et on a terminé une deuxième tente. Donc c'est parfait, donc maintenant tout le monde a une maison. Ouais, donc si c'est bien ça, les colons, ce sont les deux personnes. Là, j'ai bientôt plus de plastique. Enfin non, j'ai pas bientôt, mais... Là, ils font à manger. Et ils s'occupent de ça. Et c'est là où on peut, voilà, déplacer la zone. Ok. Là, c'est parfait. Et donc vous... La zone de travail, ça va plutôt être là. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que je pouvais mettre le bidule bleu. Alors, vous, vous avez plus rien à foutre. Pardon, plus rien à faire. Donc, ici. Yep. Et toi, bah, toi, t'es une combattante, quoi, qu'est-ce que je te dise. Ah oui, donc je peux te promener comme ça. Tu peux pas aller chercher du plastoc. Une sorte de brouillard de guerre là. Allons donc voir. Ben, ça s'enlève pas quand on s'approche. Hein. Ah non, puis je peux même pas y aller dedans. C'est quoi cette merde? Ah, excusez-moi, mais... Je ne peux pas m'approcher de... C'est quoi ce bazar? Bon, alors ça, c'est tiens, c'est bien ça. Ah, cool, d'accord, on voit l'efficacité d'un... bonne efficacité à 100%, là, ça, c'est bien ça. Par contre, je suis... Oh non, je suis pas si loin que ça, ouais, je vais pas faire cuter là-dessus. Donc ça, c'était bien. Après, on peut... Ok, et eh ben les cabanes de pêche, non, on va oublier un peu, quoi. Oui, d'accord, pénurie d'eau, ouais, bah voilà. Oh, moins 11. J'aurais dû commencer par ça, punaise. Et on peut les déplacer, on peut le... Ah, j'aime pas ce bruit. Bûcheron, ok... Oui, bah de l'eau, je sais, mais j'ai pas de rigupini, minia. Ah, puis on peut faire le portail. C'est ça qui va me permettre de sortir de là. Ok. Hein? Allez, allez bosser un peu. Vous en foutez rien, là. Ou alors, non. Toi, t'es qui, toi? On va travailler, là. J'ai mis où mon truc à construire? Là. Tu peux faire ça ou pas? Donc toi, t'as déjà vidé un tas de bois. Alright, ok. So you can go there, here. Tu peux pas, on dirait. Pourquoi? Yep. Toi? Ah, peut-être parce que tu vas chercher du stock, du... Je sais pas. Ah bah ça commence bien. Ouais, j'ai plus de plastique, je sais. J'ai plus de plastique à Vlantol. On va mourir déjà. C'est con parce qu'il y a des trucs super intéressants juste à côté. Hein. Donc ça, ça veut dire il n'y a pas le matos qu'il faut, c'est pas de plastique. Et si j'ai pas de plastique, je fais comment?
si j'ai pas de plastique, j'ai pas... Ah, le recycleur, il va quand même se mettre au boulot. Ah, parce qu'il a juste besoin de bois. Ok. Oui, bah, va donc aider là. À chaque fois, tu pars ailleurs. Ah non, voilà, ça, c'est bon. Toi, par contre, tu bosses pas, quoi. C'est moi, non, bosser, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, va donc aider à la bouffe. À défaut de mettre du plastoc. Et vous avez faim, mais il y a à manger, donc c'est bon. Oui. Oui, mais ça je l'ai fait, donc tu peux l'enlever. Ah oui, j'ai oublié de l'enlever. Con. Et voilà. Et donc là, je mets deux recycleurs tout de suite, comme ça, ça ira peut-être plus vite. Mais arrête de zoomer. What's that? Je t'ai pas cliqué au bon endroit. Utiliser des ressources. Oui, ben ça, on n'arrête pas de les utiliser, les sources. Les ressources, pas les sources, les ressources. Elle, elle fait son taf, c'est bon. Et toi, tu, comment tu peux aider? Eh ben, j'ai envie de te changer ton nom et te dire grosse feignasse, mais non. Allez. Bon, on se fait un premier épisode juste avec la construction du portail. Et puis après, on verra... Cabane de trappeur et ponton de pêche. Oui, bah non. Pêche, je vois pas du tout où est-ce que je pourrais. Et donc pour la food, trappeur, par contre, peut-être plus. Mais ça me mange du plastique, donc pour l'instant, non. Et toi, arrête de me dire que j'en ai un gratuit. Je sais bien, mais je sais pas où le mettre. À défaut, il y a quoi d'autre? Camp de bûcheron, non. Les spécialistes, oui, bah ça va. Ah, un brûleur. Plastique, plastique et plastique. Il y a des trucs qui prennent pas de plastique. Ah, ça, c'est que... Ouais. Bon, potentiellement, ça peut servir. C'est vraiment du gadget. J'en sais rien. On verra bien. Ouais, c'est surtout bien gonflant, quoi. Ouais, à voir quoi. Encore un tas vidé, oui. Alors toi quoi? Bah oui. Ah non, c'était pas les colons. Oh, ils sont beaux là, les deux combattants. Quoi? Bah oui, de toute façon tu travailles. Oh, c'est bien. Et toi? Tu marches. Mais bon, je pense que tu travailles aussi. Oui, je sais, il n'y a plus de flotte. Mais on est en train de construire un truc qui va permettre. Voilà. Hein? S'il vous plaît. Construire les routes. Bah ça y est, j'ai fait. Oh, je suis en avance. Oui, en fait, si j'ai du plastique, c'est grâce à mes recycleurs. Ok, bah c'est bien ça. Donc eux, ils taffent. Par contre, il y a ce petit tas de pollution là qui va pas être cool. Et ça y est, ils sont tous en train de crever de soif là. Ah oui, d'accord, on n'a plus d'eau, en fait, du tout. On n'a pas de stockage. Enfin, si, on avait un stockage, mais... on n'a plus. Pardon? Limite de production? Bah, pour l'instant, on s'en fout une limite, parce qu'on n'en a pas besoin de limite, quoi. Donc là, on va mettre en pause pour éviter que le plastique dont on a besoin ici soit utilisé là-bas. Ça pue! Ça pue! Là, il y a de l'eau, mais je pense pas que je puisse y accéder. Ah, il y a de l'eau ici. Ah, mais arrête de zoomer ou de dézoomer. Toi, mes mères, là. Oui, viens là. Non, t'as pas le droit. Non, je peux pas y aller, en fait. Donc, pour l'instant, je suis coincé. Oh, purée, ça fait... Non, ça fait pas si loin que ça, c'est là. Mais je peux pas y aller, donc c'est l'histoire du portail. Donc pénurie d'eau d'abord. Ah 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 ah. C'est bon.
Donc c'est bon, donc c'est en cours de construction, donc je peux remettre en route celui-là. Ok. Et donc le prochain, ça sera... Oui, bah, ça sera quand j'aurai ouvert le portail. On va faire comme ça. Allez. Go. Le puits est terminé et on va se retrouver avec un solde positif. Ouais, enfin, ce qui veut quand même dire qu'il faut absolument mettre un second puits. Trop près pour construire un autre. Ok, d'accord. Quelque chose ne va pas avec un abri. Eh ben super, qu'est-ce que je te dise moi? Ah mais j'ai que des pourcentages de merde pour la flotte ici là. Ça fait trop loin ça. Eh ben on va le mettre là, qu'est-ce qui se passe? Not everybody is equally skilled in the art of building, but one of the colonists seems... Ah oui, bah, il est bien gentil mais... Bah tu fais ce que tu peux, moi j'y peux rien quoi. Et tout se casse la gueule, oui. Et, et bah tant pis pour lui. Qu'est-ce que tu... Ah ouais, donc il a bousillé la maison avec sa connerie quoi. Connard. Ah répare, trou du cul. Là. Ouais mais t'es vraiment un gros lourd quoi. T'es un gros lourd. Et oui bah vas-y boss. Oui j'ai mis plus rapide, c'est pour ça que ça se déplace. Oui alright. Domino tu fais quoi? À part marcher toi tu fais quoi? Je marche, je marche. Bon il y a à manger c'est cool. On consomme plus qu'on... Oui parce qu'on produit rien du tout en fait mais... J'ai dit le trappeur là mais j'ai cru voir là-bas tout à l'heure des... Voilà. Mais non, il y a un truc là, c'est quoi ça? Ah, c'est un garde-manger, c'est pas un trappeur. Donc va mettre un trappeur quand même par là, là. Il a besoin. Ok. Peu efficace, il faut plus d'arbres. Oh. Autre. Ah ouais, donc là tu serais très bien là-dedans, quoi. Haute efficacité. Allez! Quoi? Ouais, donc en gros, celle-là, il faut que je la vide. Parce qu'elle est partie en cacahuète. Ok, génial. Oh punaise. Crétin. On a besoin de plastoc. Sache, ouais, c'est bien. De l'eau, ben on a juste ce qu'il faut. Faudrait pas qu'il y ait plus de monde en fait pour l'instant. Quoi? Oui, bah ben, l'état de bois, de toute façon, je m'étonne pas. Alors, c'est-à-dire que là, t'as plus de bois, c'est ça? Ouais, en gros, ok. Donc tu vas te mettre là, et là, il y aura du bois. Non, des toilettes qui polluent. Ouais, en même temps, ça se comprend. L'hygiène, c'est là? Ouais. Oh, 20 en plastique. Et ça pollue. Donc, bah, techniquement, si je fais des toilettes, ça sera par là, quoi. Mais c'est pas la priorité. Là, il faut qu'on construise une maison, le trappeur et un puits. Prestige, ouais, non, laisse tomber le prestige, on s'en occupera plus tard. Oui, bah oui, il y a des trucs qui manquent de ressources, tu m'étonnes. Ils ont faim, ça par contre, c'est toujours bon. Trappeur, alors bah voilà, trappeur. Pour l'instant, je vais mettre qu'une seule personne parce que vu que j'ai
Ah si, non, j'ai encore 3 personnes qui peuvent faire du taf. Mais eux, ils sont déjà pleins. Cool, cool, cool. Pas de contamination, c'est bien. 2 constructions terminées. Ouais, bah, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais... Voilà, donc là, on a fini le puits. Donc ça, on peut relancer ou ils veulent les toilettes avant? Ouais, non. Oui, bah, vous, les colons qui n'avez pas de maison, je vais vous dire, quelque part... Ah, bah, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oh, le pauvre. Oh, bah, ouais, bah, non, mais attends. Voilà, tout le monde est content, ça m'a coûté du bois. C'est pas grave. C'est pas bien grave. Oui, bah, il y a des trous, donc il y a des trous, c'est normal, quoi. Ça j'y pense aussi parce que ouais, les malades et les blessés, ça va peut-être venir vite. Oui, je sais que j'ai pas les matériaux, mais j'ai le droit de prévoir à l'avance quand même. Oh, c'est bon. Ça c'est quoi ça? Oui, donc ça c'est vraiment gentil. Il faudra du bois. Ah oui, quand il y aura des morts. Oui, bon, on verra plus tard les morts. Cabane de pêche, bah pour l'instant, on oublie. L'entrepôt, ça sert à rien. La voie d'urgence, non, c'est bon. D'accord. Donc ça, c'est de là, c'est pas pareil. Mais ça, c'est celui qui replante, quoi, en fait. Ça y est, ils ont des toilettes? Bah, ils vont être contents maintenant. Eh bah, merde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Oh la merde, oh la merde! Mais c'est quoi? C'est pas la contamination qui fait qu'elle est malade? Ouais, mais si t'es malade, faut que t'arrêtes. Enfin, j'ai pas fait quelque chose. Ah, si, c'est peut-être le fait de traverser par là, là. Ouais, c'est ça qui te rend malade. Oh, putain. Attends, parce que si je t'avais fait une route, là... Ah, arrête de bouger! Non, je veux pas te suivre, là. C'est oui, faut arrêter. Si j'avais fait une route ici... Vous êtes con, allez dans ce tas de plastique là plutôt, pourquoi traverser dans l'autre là? Vous êtes naze aussi. Et si on faisait un peu d'artisanat? Bah oui, mais. On a de la fibre. Oui. Non. Oui, bah ta gueule. Ah bah voilà. Oh punaise! Enfin, tu vas venir, tu tombes malade, tu meurs. Donc une fosse. Ah, fait chier, bordel. À côté des toilettes. Alors, comment on fait pour changer la position? Non, bordel. Comment est-ce qu'on fait pour changer la place des trucs? Ça, j'ai pas regardé en fait. Il marque tout vidé. Bon, j'ai toujours pas compris comment je pouvais changer. Ah oui. Ça, on est où, ça? Ça avance trop doucement. Bon, par contre, on est bon au niveau bouffe, on dirait. Sauf pour les végétariens. On est bon pour l'eau, parce qu'on a un solde positif. Oui, ben ça, on verra plus tard. Et donc là, je peux pas aller plus vite que la musique, en fait.
un stock, ça coûte que du bois et ça rapporte ça rapporte rien en fait. Ça permet juste de pas avoir à transporter. Bon, on va en mettre un là. Quatre enfants, six adultes, quatre actifs. Il y en a deux qui... Non, ils sont transporteurs. C'est pas qu'ils foutent rien, c'est qu'ils transportent. Donc c'est très bien, c'est très important. Ouais, en fait, ils priorisent... Je sais pas comment on priorise les trucs... Non, à copier, non, aucun intérêt. Tente médicale terminée, on peut y mettre quelqu'un, ouais, c'est ça. D'accord. Ah oui, mais si tu mets quelqu'un... Oh la vache, c'est pas beau ça. Robin, c'est pas toi qui m'as proposé de ton machin là? Comment on fait pour les enlever de là? Quoi, qu'est-ce qu'il fait? Il est au travail. Il travaille, oui, d'accord. Mais comment on fait pour les enlever de là? D'accord, voilà. Et donc, je garde deux transporteurs. Mais non! Oh, mais ça, vous le faites à une vitesse normale, quoi. Trop vite. T'as faim, bah va manger. Oh, le moral a pas l'air d'être au top, hein. Bonheur global, mon cul. Ok. Toujours pas assez de ressources. Bon, allez, on accélère tout ça. La fosse est terminée, donc quelqu'un va s'y mettre. Ouais, c'est ça. Et bah, Robin, voilà. Allez, t'étais pas contente, et bah, tu vas ramasser les morts. Et tu deviens donc notre fossoyeur. On vide les tas de bois, bah oui, bien sûr. Allez! On a un peu de plastoc, on peut s'occuper de ça. Max. Ok. J'ai plus qu'un ponce, oui, d'accord. Un transporteur. Mais de toute façon, il faut fabriquer du plastoc, donc ouais. Ah, ça y est. Donc l'autre... Un colon empoisonné. Oh, mais... Delirious colonist is carried into the camp. Ah oui, non, non. Ça ne vaut pas la peine de jouer avec la vie des gens. Bah non, c'est... Hein? On est d'accord. Nathalie est malade, mais va se faire guérir. Allez, il faut surtout construire ça, et comme ça, on arrivera au bout. Yes. Non! Non, j'ai pas encore fait mon truc. Alors, vague de chaleur, génial. Ils boivent de l'eau. C'est pas trop grave. On a un petit peu de solde. On n'a pas de champ, donc tout, c'est pas grave. Par contre, on n'a pas de citerne non plus, ouais. Et le niveau d'hygiène, ouais, bah... Pff. Ok. Là, on a dit quoi? 60%. Bah, on est bientôt arrivé à la fin de ce truc-là. Oui, bah oui, donc les catastrophes arrivent. Et il va falloir gérer ça, mais ça sera pour le prochain épisode.
Parce que avant ça, j'espère qu'on pourra sortir par ici. Aller récupérer donc des outils, de la science et des vêtements. Ouais, ça c'est pas le plus pertinent. Et puis surtout, on va pouvoir à l'intérieur, semble-t-il, pouvoir aller chercher de l'eau ici, enfin produire de l'eau. Yes, ça y est. Alors en anglais, il nous dit, voilà, on va pouvoir accéder à la carte du monde. Par contre, l'image là qui dit dégagez d'ici, c'est pas cool, go away. Pas à manger, n'entrez pas ici. C'est pas du tout ce que nous on va proposer par la suite. Mais ça sera pour un prochain épisode. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de cette partie. À bientôt.